Le problème de la démocratie en Europe n'est pas uniquement dû à la question des lobbies. La démocratie, demos kratos, a besoin d'un demos. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de demos européen. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de peuple européen. Donc, les gens, quand vous allez, par exemple, au Parlement à Bruxelles ou à Strasbourg, vous avez, c'est la belle au bois dormant, il n'y a absolument personne, sauf de temps en temps un club du troisième âge venu de Villefranche-sur-Ouère auquel on montre les beautés de l'Europe, et puis, tel dans un film de Jacques Tati, ça se termine comme ça. Il n'y a pas de peuple européen. Donc la réalité, c'est que les fonctionnaires, les bureaucrates qui sont de 27 nationalités n'ont à faire en réalité qu'aux lobbies de Monsanto, de BASF, de Goldman Sachs, de ci, de ça, qui viennent avec une caisse de champagne tous les 24 décembre, et là, en même temps, en leur disant « voilà le projet de directive que ça serait bien de faire passer ». C'est comme ça que les choses se produisent. Et puis le problème de la démocratie en France qui ne se porte pas bien, c'est dû au fait aussi qu'un débat, et je ne saurais vraiment trop vous remercier et remercier encore une fois le doyen pour c'est inouï ce qui se passe ce soir. Mais non, mais ça n'existe pas à la télévision française. Ça n'existe ni à la télévision, aucune chaîne de télévision française, aucune grande radio française, aucun grand journal ou magazine français ne donne la parole à des personnes, je n'en connais pas beaucoup d'ailleurs, qui, parmi les responsables politiques, qui proposent de sortir de l'Union européenne et qui entrent dans les détails minutieusement. Donc évidemment, les Français sont du berceau à la tombe. Et j'étais comme un certain nombre d'entre vous lorsque j'étais à HEC avant de faire l'ENA. Et quand j'étais à HEC, de la main, j'ai eu le droit de vote, j'ai voté pour la liste de Madame Veil aux élections européennes de 1979 parce que j'étais tout à fait pour l'Europe. Parce que je n'avais eu qu'un son de cloche. Mais comme l'a dit de façon que je trouve tout à fait remarquable, les Français n'ont pas changé. Non, mais les Français n'ont pas changé. Ça n'est pas parce qu'on a empilé des choses que les Français ont changé. Les Français, ils croient qu'ils ont toujours le pouvoir. Et le drame qui est en train de se nouer, le problème qui est en train d'apparaître, c'est que les Français commencent à comprendre qu'en fait, ils ont été refaits. On leur a piqué leur pouvoir et on leur a fait ça avec un bel emballage cadeau en leur disant « Vous allez voir, c'est formidable de modernité. » Erasmus est en général l'argument qui est invoqué en science, parce que Dieu sait si tout est fait pour qu'on vienne bien dans la tête des étudiants, l'Europe c'est bien l'Erasmus. Si vous regardez ce qui se passait, et ça a été rappelé tout à l'heure, à l'université de Montpellier au XIIIe siècle, il y avait essentiellement des étudiants étrangers. Je voudrais rappeler, je trouve que c'est très bien Erasmus, mais je voudrais rappeler que vous appartenez à une génération qui était, que moi j'ai déjà connue, c'était les débuts, quand j'étais étudiant moi-même, où vous ne limitez absolument pas, et vous avez bien raison, vos ambitions de déplacement à l'Allemagne ou au Luxembourg. Moi, j'ai des neveux qui vont, il y en a un qui vit en Australie, il y en a un qui est en Lituanie, il y en a un autre qui est au Chili. C'est-à-dire que dans le monde aujourd'hui, les gens circulent beaucoup. Et les gens ne se limitent pas du tout au périmètre de l'Union européenne. D'ailleurs, on m'a dit tout à l'heure, si on sort de l'Union européenne, la France quasiment, on sort de Schengen ipso facto, ipso iure d'ailleurs, c'est faux. La Suisse, par exemple, n'est pas dans l'Union européenne alors qu'elle est dans l'espace Schengen, alors que le Royaume-Uni est dans l'Union européenne et n'est pas dans l'espace Schengen. Donc ce sont des choses qui sont différentes. Si nous sortons de l'Union européenne, nous conserverons les lois telles qu'elles existent tant que nous n'en aurons pas changé. C'est la succession des États, ce sont des régimes. Donc, ne croyez pas qu'il va y avoir l'apocalypse, que tout va s'effondrer, que l'on va tomber dans la GN, comme le disait l'interlocuteur précédent. Ce que j'observe, c'est que la situation au Portugal est tellement catastrophique. Parce que là, encore une fois, je vois que jamais les européistes n'acceptent de parler de leur bilan. La situation au Portugal est tellement catastrophique. Il y a 10 millions d'habitants au Portugal.
L'an dernier, enfin en 2011, il y a eu 150 000 Portugais qui sont partis, qui ont émigré. D'ailleurs, à la demande du gouvernement, 150 000 Portugais qui partent sur 10 millions d'habitants, la France étant 6 fois plus peuplée, c'est comme s'il y avait eu 950 000 à 1 million de Français qui avaient quitté la France au cours d'une seule année 2011, et ça s'est accéléré en 2012. C'est-à-dire, on vit la région Haute-Normandie en 2 ans. Et où sont allés ces Portugais? Mais ils ne sont pas allés en Allemagne. D'abord parce qu'ils ne parlent pas l'allemand. Deuxièmement parce qu'il n'y a pas de travail. Troisièmement parce qu'ils n'en ont pas envie. Ils sont allés au Brésil. Ils sont allés en Angola. Ils sont allés dans les pays de la lusophonie en premier lieu. D'ailleurs, il y a désormais plus de Portugais qui ont émigré en Angola que d'Angolais qui ont émigré au Portugal. C'est autant dire que l'argument que je vois pointer, qui consisterait à dire sortir de l'Union européenne serait transformer la France en Corée du Nord, fermée sur elle-même, est un argument de la propagande qui, ce n'est pas parce que je connais, tout le monde connaît le dicton de Goebbels, c'est un mensonge répété 10 fois, reste un mensonge répété 100 000 fois et devient une vérité, eh bien non. Ça n'est pas parce que nous sortirons de l'Union européenne que nous deviendrons la Corée du Nord. Ça n'est pas vrai. La France a 273 ambassades et consulats dans le monde. Si nous sortons de l'Union européenne, nous passerons de 273 à 271. On en fermera 2. Nous garderons le dispositif diplomatique le plus important du monde. Nous resterons, bien entendu, membre de l'Organisation des Nations Unies, membre permanent du Conseil de sécurité que l'Union européenne veut d'ailleurs nous piquer pour le donner à la Commission européenne, c'est-à-dire à un clone de Washington. Parce que c'est ça l'objectif qui est poursuivi, c'est qu'il n'y ait plus jamais de discours de 2003 de M. de Villepin contre la guerre en Irak. C'est ça l'objectif stratégique que cherchent actuellement les Américains en voulant donner le siège du Conseil de sécurité à l'Union européenne plutôt qu'à la France. C'est de ça qu'il s'agit. Nous garderons donc nos ambassades dans le monde. Nous resterons membres de l'ONU, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Agence européenne de l'énergie atomique. Nous resterons membres du traité sur le droit de la mer, la Convention de Montego Bay, du traité de l'Antarctique. J'en passe et des meilleurs. Je pourrais vous en citer des centaines, y compris d'ailleurs des centaines de traités bilatéraux qui nous relient au reste du monde. Donc, ôtez-vous de la tête, monsieur, vraiment, ôtez-vous de la tête l'idée que sortir de l'Union européenne, ça serait comme vouloir s'enfermer sur le monde. C'est comme si, dans un immeuble, quelqu'un avait décidé un jour de supprimer toutes les portes et fenêtres et qu'on vit en communauté, et que quelqu'un un jour dise ben « Non, je préfère quand même être chez moi », et qu'on lui rétorque « Ah, comment ça, vous voulez vous fermer du monde et vivre au Carmel ?» Non, non. Parce qu'il se trouve que vous pouvez avoir des amis dans l'immeuble, et vous en avez aussi ailleurs, vous en avez dans l'immeuble d'en face, vous en avez peut-être à 50 km ou dans les antipodes. C'est exactement le cas de la France. La France n'a aucun intérêt, aucune vocation à limiter son existence dans un périmètre artificiel qui va de l'Andalousie à la Laponie finlandaise. Je vous remercie. Je vous terminerai parce que je voudrais quand même, j'y tiens. Mes deux prédécesseurs nous ont fait le coup des jeunes. Sous-entendu, ce sont les vieilles badernes qui sont contre l'Europe, mais les jeunes, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, je voudrais faire remarquer que d'abord, je m'adresse ici aux sociologues, que toutes les enquêtes sociologiques post-électorales ont montré que c'est l'inverse qui est vrai. Au traité de Maastricht, seuls les plus de 60 ans avaient voté oui majoritairement, et seuls les plus de 70 ans. Et ça a été encore plus vrai au moment de la Constitution européenne. Désormais, ce sont les jeunes, ce sont les gens qui travaillent, qui votent majoritairement, les gros bataillons des noms sont là. D'ailleurs, dans le mouvement politique que j'ai créé, nous avons la bagatelle de 210 étudiants qui se sont battus, on a déjà plus de 2270 adhérents, et nous avons un âge moyen qui est très faible. Et je voudrais conclure mon propos, si vous me le permettez, en vous posant 2 questions. Je voudrais savoir dans cette salle qui est originaire
des 10 nouveaux États entrés dans l'Union européenne en 2005 et des 2 suivants en 2007, c'est-à-dire des pays de l'Est. 1. Et je voudrais savoir dans cette salle qui est originaire, dans ta famille, est originaire d'un pays du Maghreb ou d'Afrique francophone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà. Vous avez exactement ce que la France a. C'est pour cela que la construction européenne est fondée sur un mensonge. C'est le choc des civilisations voulu par les anglo-saxons pour nous entraîner dans des conflits de plus en plus importants.